Est-ce que je prédis l'avenir? Hello! Alors récemment, j'ai fait une vidéo TikTok qui est le calendrier de l'Avent jour 24 des choses inédites sur moi. Je sais pas si vous avez suivi tous mes calendriers de l'Avent que je poste sur TikTok. Mais voilà, et donc en fait, en faisant ce jour 24, donc la chose, j'avais une petite liste des choses que je devais dire, des choses inédites sur moi, et je me suis dit, bah pourquoi pas en faire une vidéo YouTube. Et donc, je me posais peut-être cette question, on ne sait jamais, donc je vais vous expliquer de fond en comble de quoi je parle, du coup. Donc je vais vous raconter cette story time, c'est ces choses qui font poser des questions, du coup. Donc, je fais des paralysies sommeil depuis bientôt 9 ans. J'ai commencé à en faire en 2012, d'où le tatouage qui est le symbole attrape-rêve symbolisant le sommeil. Je l'ai fait dans le dos parce que quand je fais une paralysie de sommeil, c'est sur le dos que ça se passe. Et j'ai mis 2012 en chiffres romains dans une plume parce que j'ai commencé à en faire en 2012. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une paralysie du sommeil, je vous invite à aller regarder ma vidéo parlant de la paralysie du sommeil, expliquant ce que c'est, blablabla. Je vous mets là un petit que je ne sais toujours pas où il se place, mais voilà, dès que vous voyez un petit « i » apparaître, vous cliquez dessus, comme ça vous saurez... Putain, je parle vite. Donc voilà, donc comme ça vous saurez au moins ce que c'est qu'une paralysie du sommeil, et comme ça vous pourrez revenir sur cette vidéo pour comprendre le truc. Je vais vous le redire en très bref. Donc en gros, quand tu t'endors donc à l'état hypnagogique ou quand tu te réveilles donc à l'état hypnopompique, ça peut arriver que tu fasses une paralysie du sommeil. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, d'un coup tu te réveilles, tu ne peux absolument plus bouger ton corps. Il y en a qui n'arrivent même pas à cligner des yeux, moi c'est la seule chose que je peux faire. Tu ne peux ni bouger aucun de tes membres de ton corps et tu ne peux pas non plus parler, émettre un son. Même si tu as l'impression des fois que oui, tu émets un son, en fait non, pas du tout. Donc voilà, donc en gros t'es comme ça. Les yeux, c'est la seule chose que je peux bouger. Bref. Et ça peut arriver, du coup, de faire des petites hallucinations visuelles ou auditives. Donc de voir des choses ou d'entendre des choses qui n'existent pas du tout, qui en réalité ne sont pas dans ta chambre, en fait. Tout se passe là-dedans. J'ai été voir une spécialiste du sommeil qui m'a tout bien expliqué, mais bref. J'explique tout super bien dans la vidéo. Bref. J'ai déjà fait 3 paralysies cheloues, comme si je prédisais l'avenir. Donc que je vous explique. Dans ce petit livre d'Idol, sont référencées toutes... mes paralysies du sommeil depuis 2012. Donc, j'ai pas encore mis les dernières, elles sont sur mon téléphone, mais bref. Et en fait, dès que je fais une paralysie du sommeil, je me réveille, je le note sur mon téléphone et après je le retranscris là-dessus. C'est mon grimoire. Donc, première paralysie du sommeil, notée, samedi 28 juin à 18h19, 2012. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Bonne année. J'ai filmé cette vidéo fin décembre 2020. On est actuellement le 5 janvier 2021 et j'en ai fait une cette nuit. Donc 2021. Donc en gros, attends, mais quand vous verrez cette vidéo, est-ce que, parce que là je le filme le lundi 21 décembre, est-ce qu'on sera en 2021? Oui, Marion du passé, nous serons en 2021. Bonne année à toi. Et en fait, avec un ami, un ancien crush, bref. En fait, j'en avais parlé et il s'en intéressait. Je lui ai dit que je les avais toutes notées dans un livre et il était curieux. Donc il regarde et tout en détail chaque. Et puis c'est là que je lui ai dit, ah bah d'ailleurs, attends, c'était quand? Alors c'était... Attends, c'était quand? Voilà. Je lui ai dit, bah d'ailleurs, il y a un truc qui est chelou quand il tournait la page et qu'il était rendu à exactement ici. Je lui ai dit... Donc je vois le marqué, jeudi 28 avril 2016 à 3h01 du matin, entre parenthèses, lendemain de l'opération qui était mardi 26 avril 2016. Voilà. Attends, ça coordonne pas. Ah oui, si, parce qu'il est 3h du matin. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une paralysie du sommeil et quelques heures après, il y a eu un tremblement de terre. Je dis, what? Je me suis fait réveiller par un tremblement de terre, clairement. Donc voilà. Et je me suis dit, putain, étrange. Mais sur le coup, j'avais pas relevé, tu vois, j'avais pas relevé. C'est en re-regardant, donc des années après, parce que ça, c'était en 2016, c'est en regardant en 2020 que je me suis dit, attends, c'est étrange. Et donc, du coup, donc je me suis dit, ok, bon, par hasard, hein, parce qu'il y a des moments où j'en faisais beaucoup, d'autres moins, donc comme par hasard, je suis une paralysie de sommeil, quelques heures après, il y a un tremblement de terre. Voilà. Rien d'anodin jusque-là. Et après, il y a eu la réplique de ce tremblement de terre. Et j'ai fait une paralysie du sommeil. Mardi 17 mai 2016 à 3h48 du matin,
j'ai mis entre parenthèses dodo avec Émilie à l'Algérie parce que je me souviens quand on s'est réveillé, on est allé en cours du coup, on a tellement bien dormi, il y a eu la réplique. Mais nous on l'avait pas senti, c'est en allant au lycée que les gens nous ont dit « Oh, il y a eu la réplique du tremblement de terre !» Et ça, et là j'avoue, je me suis dit « Je fais une paralysie de sommeil encore !» Et comme par hasard, attends, la première fois je l'ai fait à 3h01, là je l'ai fait à 3h48 du matin. Du coup, je suis « Ok ?» Je dis « Bah attends, c'est bizarre quand même, quelques heures avant, en plus vers les 3h, quelques heures avant, je fais une paralysie de sommeil avant le tremblement de terre. » Et à la réplique, quelques heures avant aussi, je fais une paralysie de sommeil devant le tremblement de terre, quoi. Mais c'est pas elle la prédiction la plus horrible que j'ai fait lors d'une paralysie du sommeil. C'est celle-ci. Alors, comme par hasard, je n'ai pas eu de chance ce jour-là, mais je me souviens très bien dans ma tête, parce que ce jour-là, j'ai vraiment pas eu de chance. Ce jour-là, ici, là, plus 20, paralysie du sommeil, changé de tel. Donc en fait, j'ai changé de tel et de téléphone, et du coup, j'avais perdu toutes les paralysies du sommeil que j'avais notées dans mon téléphone. Bref, donc du coup, après, on reprend le 10 avril. Sauf que pendant ces 20, qui étaient très importantes pour vous parler de ce que je vais vous parler, il y avait une paralysie du sommeil que j'ai fait le 23 mars 2018. Je ne sais pas si cette date rappelle quelque chose à beaucoup de personnes, surtout des personnes qui habitent dans l'Aude, plus particulièrement à Trèbes. Mais ce jour-là, il y a eu un attentat. Le 23 mars 2018, la France était une nouvelle fois confrontée au terrorisme. Un homme semait la mort dans les rues de Carcassonne, puis dans un supermarché de Trèbes, dans l'Aude. Les éléments très importants à retenir avaient successivement tué le conducteur d'une voiture à Carcassonne et blessé son passager avant de prendre en otage les clients et les employés d'un supermarché Super U à Trèbes. Il avait alors abattu un boucher et le lieutenant-colonel de la gendarmerie, Arnaud Beltrame, paix à son âme, qui avait donné sa vie en se substituant à une femme retenue en otage. Là, autre élément important qu'on retient, machin, privé, aurait fourni l'arme qu'a utilisé Redouane Lagdim. Donc, chose à retenir. Le terroriste était un homme, seul, avec une arme à feu, qui a tué des gens. Donc, maintenant, contexte de la paralysie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, le 23 mars, que c'est là que ça s'est produit, vers 10h, ça s'est produit quelque... Moi, le 23 mars, vers 3h du matin, je me suis endormie, ou 2h, c'était aux alentours de ça. Et en fait, au moment de la paralysie sommeil, j'ai fait une hallucination auditive. Donc c'est-à-dire que j'entendais des choses qui n'étaient pas vraies, qui n'existaient pas, etc. Mais j'entendais des choses. Et j'ai entendu un homme seul, donc la voix d'un homme seul, une arme à feu, et qui disait des choses. Donc première chose, au moment de la paralysie du sommeil, j'ai entendu genre, c'est-à-dire quand tu charges une arme à feu, j'ai entendu ce bruit-là. Donc ça m'a... Parce qu'en fait, du coup, c'est ça qui m'a fait la paralysie, entre guillemets. En gros, j'ai entendu clic, clic, paralysie. Et j'entendais cet homme seul dire « Tous mourir, tous mourir, tous mourir ». Ça, je l'ai entendu pas mal de fois. « Tous mourir ». Enfin, « Vous allez tous mourir, vous allez tous mourir ». J'entendais ça, en fait. Un homme seul qui recharge une arme, parce que j'ai entendu le bruit, et qui disait « Vous allez tous mourir, vous allez tous mourir ». Donc, et après, je me suis dit « Paralysie ». Je me suis dit « Waouh !» Chelou. Donc, du coup, bah, je me suis endormie après. Et quand je me suis réveillée le matin, ça n'arrêtait pas de passer aux infos qu'il y a eu l'attentat à l'Aude. Je me suis dit, what, attends, c'est chelou quand même. Donc je regarde, je vois un terroriste, donc un homme du coup, terroriste, qui a tué d'une arme à feu des personnes. Je me suis dit, attends, what? Donc je me suis dit, attends, c'est chelou quand même. Et c'est là que j'ai porté que j'ai. Je me suis dit, attends, c'est trop bizarre. Et j'ai repensé un petit peu au tremblement de terre, mais sans plus, tu vois. C'est vraiment qu'on a regardé le livre en détail avec mon ami qu'on s'est rendu compte de ces choses-là, qu'on s'est posé des questions. Je me suis dit, attends, c'est bizarre. Quelques heures avant le tremblement de terre, je fais une paralysie de sommeil. Ensuite, je refais une paralysie de sommeil quelques heures avant la deuxième secousse, la réplique. La première tremblement de terre, c'était le 28 avril 2016. Et la réplique, c'était le 17 mai 2016. Et je me dis, et là... Genre quelques heures avant qu'il y ait cet attentat, j'en refais une quelques heures avant. Je me dis, c'est bizarre quand même. D'autant plus que ça aurait pu être, je sais pas, plusieurs terroristes sans armes. Enfin, sans armes à feu, j'ai jamais vu ça. Mais comme par exemple à Nice, ils conduisaient, tu vois. Mais ça aurait pu être plusieurs terroristes, ça aurait pu être des femmes, ça aurait pu être... Enfin, tu vois. Donc je me suis dit, c'est trop bizarre. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai expliqué cette story time,
Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans les commentaires si vous pensez que c'est ça, si vous pensez que c'est un pur hasard les trois fois, comme on dit, hasard, coïncidence, et voilà. J'ai oublié ce que c'est le troisième. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires, moi je voulais juste vous en parler, je trouvais ça un peu chelou, j'y repensais du coup en faisant ma vidéo, je me suis dit bah ça me fait penser à, et donc du coup je me suis dit bah vas-y je vais prendre ma caméra et puis je vais faire une vidéo YouTube sur le sujet, donc dites-moi en commentaire, j'espère que j'ai bien expliqué, dites-moi en commentaire du coup ce que vous en pensez, si c'est un pur hasard, si j'ai vraiment eu la poisse ces fois-là du coup déjà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et je vous dis à... Bah en fait je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, si c'est le mercredi ou le samedi, mais si je poste le mercredi c'est... à samedi à 14h, si je vous poste cette vidéo samedi, ça veut dire que c'est à mercredi à 14h. Bref, en gros, à samedi 14h. Voilà, je vous fais des gros bisous et merci de me dire ce que vous pensez en commentaire, voilà. Ah oui, putain, j'oublie tout le temps. Abonnez-vous, likez cette vidéo et commentez-la pour me répondre à ma question que je me pose. Voilà, bisous.